jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Hey yo tout le monde, c'est Bofi. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de Pokémon. Précédemment, nous avions réussi à battre Pierre. Nous avions secouru les Mélophées. Enfin, c'est plutôt eux qui ont fait le taf. Mais on était là. Et on a battu Ondine. Maintenant, on peut continuer notre aventure. Et il me semble que maintenant, c'est le moment où on récupère Salamèche. Je suis plus sûr. Allez. Premier combat. Du coup, les gens, je sais pas si vous vous souvenez, mais ce gars-là, c'est le gars qui n'a jamais perdu. Il s'est créé sa propre arène, qui n'est pas officielle, et le gars il est à 98 victoires dans la série. Parce que nous on l'affronte et on perd, du coup on est à 99e victoire. Et la 100e, c'est bien sûr la Team Rocket. Mais nous, on va l'affronter. Donc je sais pas si on va gagner, mais on va tout faire pour. Mais, alors dans mes souvenirs, il a un sablette. Moi j'ai bien envie de mettre Papier Fusion dès le début. C'est parti, on va l'affronter. Allez, c'est parti. En plus il entraîne à la dure avec son fouet là comme dans le dessin animé. Il nous envoie sablette. Putain, il y a un poussillon qui est parti. Au niveau 28. Ah, c'est chaud. On va essayer d'attaquer le premier. Attention, roulade. Roulette qui fait vachement mal, ça va. Mais le pire c'est que ça va faire de plus en plus mal. Et ça c'est assez relou. On va essayer de la... On va essayer de le battre. C'est pas dit hein. C'est vraiment pas dit. Surtout qu'il va enchaîner roulade. J'aurais peut-être dû le paralyser. On va voir. Et Pikachu à toi de jouer. Slam. Mais non, pourquoi tu rates ça, Pika? Ah, faut que j'arrive à lui mettre une attaque. Oui, bien joué, Pikachu. Voilà, okay. Putain. Il va me OS, c'est sûr, il va me OS. Si j'arrive pas à attaquer... Avec de la chance... Ah, oh, ça fait que dalle. Mais non, faut arrêter. Résiste. Ah, encore une défaite. En plus, dans le dessin animé, sa chasse l'a pété à mort puisqu'il était à 10 victoires d'affilée. Il se sentait plus pissé et il a gagné un peu d'humilité en se faisant littéralement défoncer, bah, comme moi là. On s'est fait défoncer. Bien joué à toi, expert. Je sais plus comment il s'appelle... dans l'animé. Non, mystère. Voilà, on récupère. Bon, le bizarre. Ouais. Reviens. Village caché. Il me semble, alors faut faire gaffe parce qu'il y a des pièges. Les trucs sombres sont des pièges. Faut pas tomber dedans. Oh, hello, my name is Melanie. Elle a créé cet emplacement pour protéger les Pokémon en fait. Surtout ceux qui sont abandonnés par leur dresseur. Et c'est Bulle Bizarre qui protège tout le monde en fait. Bulbasaur. Donc on va affronter Bulbasaur. Est-ce qu'on peut le capturer? Je me demande ce que je... ce serait con de le tuer. On va le paralyser. Et admettons que je le tue.
que je puisse pas le capturer. Je pense qu'un deuxième coup devrait être bien, sauf si c'est un critique. Est-ce que je peux le capturer? Ah oui! On a réussi! On a vu le bizarre! Pika Pikachu! Du coup, il est là notre Salamèche! Salamèche! It's a Charmander! That I refuse battle! Il refuse de s'entraîner. Il refuse de se battre parce qu'il attend son dresseur! Cet enfoiré de dresseur qu'il a laissé! Cet enfoiré de dresseur, c'est lui. Dis, il me semblait que t'avais un Salamèche aussi. Ouais, j'en avais un, mais il était tellement faible qu'il n'a jamais été capable de gagner un match. C'était un fardeau. Qu'est-ce que t'en as fait? Ben, je l'ai abandonné sur un rocher dans la forêt. Ah ? Il est tellement stupide. Je pouvais lui faire n'importe quoi, il continuait de me suivre. Pour m'en débarrasser, j'ai dû lui promettre que je retournerais le chercher avant la tombée de la nuit. Et cet idiot m'a cru. Je suis certain qu'il est encore en train de m'attendre. C'est donc lui qui a abandonné ce pauvre Salamèche. Je trouve ça écœurant d'avoir abandonné son Pokémon. Ah bah voilà, c'est tout. Du coup, on a notre petit Salamèche qui normalement est très mal en point, en HP. Vite, faut courir l'amener. Mais je pense qu'il pleuvait, moi. Oh, mais il est censé pleuvoir. Vite. Oh, your Charmander is very weak. Vite. Mais c'est pas moi. C'est pas moi qui l'ai mis comme ça, c'est l'autre enfoiré là. Du coup là t'as son vrai dresseur qui revient, il fait ouais, je veux récupérer mon Salamèche, il t'appartient pas. Et du coup on va se battre en duel. Parti. Bon, on va faire jouer Salamèche quand même. Crunch. Griffe. Ouh. Ouais, bien joué mon Pika. Yes, la mèche monte au niveau 11. On va envoyer Rocops.
Ok, des cartes. Un coup de corps. Dans l'animé, c'est ça la mèche qui le défonce, mais bon, là, dans le jeu, ça va être très difficile de faire quelque chose avec lui pour le moment. À toi de jouer Pikachu. C'est parti, attaque éclair Pikachu. Oh, c'est bon avec le poison. Bien joué. Là, il regrette d'avoir laissé son Salamèche. Et c'est ainsi que Salamèche se joint à nos amis pour leur voyage. Ils veulent se battre. Ils sont partis. Oh, qu'est-ce que j'ai. Est-ce que ça va? Oui, ça va, ça va. C'est là comme des carapuces qui sèment la terreur dans la ville. Ah, oui, oui, ça va. On vient de pêcher le carapuce. Pikachu, go! Oh non, Pikachu! Il vient de kidnapper. On vient de se faire kidnapper. Kidnapper Pikachu. Du coup, faut vite y retourner. On vient de se faire kidnapper notre Pikachu. Ça va les couilles. Faut que j'achète quoi en fait? Pas votre time les mecs. Carapouche. Tiens mon Pikachu, je te ramène des médics. La carapuce est impressionnée parce qu'on a de la compassion pour les Pokémon. Et du coup, il rejoint notre team. Parmi nous, Carapuce. J'ai attrapé un nouveau Pokémon. Pikachu. Attrapé? Comment ça, attrapé? Ah bon, d'accord, il veut venir avec moi, mais c'est pareil. Une nouvelle aventure et un nouvel ami. Mais qui sait ce qui les attend au détour du chemin?